Depuis le début de la tragédie, nous avons priorisé les travaux de réhabilitation, les travaux de nettoyage, et nous sommes à entreprendre une très grande démarche. Une très grande démarche où nous invitons les citoyens à participer à cette entreprise de nous dire comment nous allons réinventer notre ville. La démarche entamée de participation citoyenne se réalise avec l'ensemble des groupes socio-communautaires et aussi avec l'ensemble des citoyens. Cette grande démarche se déroulera en trois grandes phases, trois grandes étapes. Alors d'abord, ce sera une étape où on s'informe et la deuxième étape, l'étape où on discute. On met nos idées sur la table, les plus farfelues, les plus innovatrices, les plus créatrices. Et une dernière étape où, finalement, on s'entendra sur un grand plan de reconstruction, particulièrement du centre-ville sinistré, mais aussi, ce sont des projets qui pourraient toucher tout le territoire de la ville de Lac-Mégantic. Le 26 mars, la première rencontre grand public, où tous les gens sont invités à y assister. Ce sera une rencontre qui a deux grands objectifs. La première étape de la rencontre, la ville, avec les intervenants, nous ferons le point sur l'avancement des travaux. Tout le chemin que nous avons parcouru depuis le 6 juillet, on dressera un grand portrait. Et par la suite, dans la deuxième partie de la rencontre, nous présenterons comment la démarche de participation citoyenne s'inscrira au cours des prochains mois, c'est-à-dire du mois de mars jusqu'au mois de septembre.